この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la troisième manche du championnat 2001 de Formule 1 sur F1 2001. Jusque-là, c'est logique. Allez, on va partir. On va donc disputer la manche 3 qui sera au Brésil. Et on va essayer de faire au moins un résultat similaire au résultat de Malaisie. Espérant que tout se passe bien. Bienvenue au Brésil pour la troisième manche du championnat du monde 2001 de Formule 1. La saison dernière, l'écurie Sauber a dû prendre la courageuse décision de ne pas aligner ses monoplaces au départ de ce Grand Prix en raison de problèmes de fragilité de l'aileron arrière. Le pilote brésilien Tarso Marques aura à cœur de briller devant son public. Nous devrions assister à un Grand Prix du Brésil plein de rebondissements. Petit bug de chargement. Donc on va continuer en mode normal et on va du coup lancer directement. Alors je sais pas si je fais pas des essais libres avant, mais bon, on va juste faire un tour. Et en plus il pleut, magnifique. Réglage type de pneu. On prévoit de la pluie en début de séance. Le temps n'est pas favorable en ce moment. Tu devrais attendre le milieu de la séance avant de sortir. Ok, donc ce qu'on va faire. Le problème c'est que j'ai pas le choix en fait, je suis obligé d'attendre. Bon, c'est pas grave. C'est l'occasion de voir ce que ça donne des pneus pluie sur du sec. Ça donne n'importe quoi. On va faire retour au stand. On va faire réglage, on va prendre des pneus pluie. Et j'ai freiné trop tard. Oh mon dieu. Ouh là là, ça glisse de partout. Allez. On essaie de se reconcentrer. Donc le circuit inter à la gosse. Oh la vache. Ah ouais, c'est compliqué à freiner. Et on part en tête à queue sur le vibreur. Jusque là, c'est logique. Alors, on va essayer de repartir normalement. Bon, je sais pas s'il va faire beau ou pas pendant la qualification, hein. Peut-être que ça sera le cas. Enfin, j'espère en tout cas, parce que là, on va vraiment avoir du mal. À quel point ça glisse, hein. Toi, je suis en pneu pluie. Je tape le mur à chaque fois. Alors, il me demande de rentrer au stand. On va pas le faire, hein. Juste essayer de finir un tour. Oh mon dieu. Il va falloir s'entraîner quand même sous la pluie, hein, parce que si un jour il pleut pendant la saison, ça va être compliqué. Un petit peu les points de freinage. Apparemment il faut vraiment pas laisser les vibreurs par contre, c'est logique en fait. Ah
Allez, j'ai gagné 2 secondes sur le premier secteur. On peut pas avancer le temps hein, par contre quand on est en essai libre malheureusement. Heureusement qu'on a pas les dommages au maximum. Bon, j'ai gagné 12 secondes, hein, mais. Ah bah non, on a failli faire comme Raikkonen. Bon, c'est pas grave, on va faire quitter la séance. Et on espère que. Qu'il va faire bon en qualification, sinon on est mort. Les conditions sont idéales. Ouais, c'est bon. Ouf. Le temps est très incertain. Cette séance de qualification pourrait très bien réserver quelques surprises. Alors, on va voir les temps de qualification. Ok, bon, on va faire ça. Bon, au niveau des réglages, on peut rien faire. On va faire commencer le tour. Ah, par contre. Eh ouais, non, mais en fait. j'ai pas les bons pneus. Donc, on va mettre des pneus secs. Voilà, c'est parti. Bon, j'ai déjà pas eu 3 tours hein, en faisant ça. Ça va réduire largement ma possibilité d'amélioration. Au moins il fait beau, j'ai ça de gagner. Et ça peut dire qu'il n'y a pas pleuvoir demain, enfin demain c'est pour la course. J'ai mal pris. Je sens qu'il va pas être évident ce circuit. Il faudra se réhabituer au maniement. Oui, enfin une pole provisoire puisqu'on est les premiers à sortir. On va voir si on peut améliorer. Ok. J'ai tourné bien trop tôt. Et j'ai accéléré cette fois-ci trop tôt. Allez, on va revenir au stand. Jacques Villeneuve est en tête au premier temps intermédiaire. On va augmenter les... le temps. Alors, au niveau du classement... On est pour l'instant 15ème, hein, ce qui est vraiment très loin. Bon, on va essayer de faire un dernier tour amélioré.
Voilà, c'était ici que je m'étais loupé tout à l'heure. Ça passe, en tout cas qu'on puisse améliorer notre 15e place. Pas mal de boss hein, sur le circuit, c'est très typique à l'intérieur à gauche d'ailleurs. Ça me paraît impossible à battre. On va faire du coup quitter la séance. Et finalement on va finir sur le 6e temps pour 9 dixièmes. Donc c'est pas mal. De Rosa, Bandi, Marquez, Alonso. Et on va du coup lancer la course directement. Je sais pas s'il va faire beau ou pas. Non, ça va. Effectue une superbe saison et ses admirateurs sont nombreux sur le circuit aujourd'hui. Auteur d'une incroyable pole, c'est Ralf Schumacher. Impressionnant depuis le début de la saison, Mika Hakkinen joue parfaitement bien son rôle de double champion du monde. Je suis sûr qu'il continuera sur sa lancée aujourd'hui. Jean Alesi occupe la troisième place. David Coulthard est quatrième sur la grille. Button occupe la sixième place. Montoya est septième. Compte tenu des résultats qu'il a obtenus cette saison, on ne doute plus de la supériorité de Michael Schumacher. L'écurie Ferrari est certainement plus que très satisfaite. Frenzen occupe la dixième place. Excellent résultat cette année pour Jarno Trulli. Il a réellement gagné sa place dans l'écurie Jordan et il va le prouver de nouveau avec la course d'aujourd'hui. Olivier Panis, qui reste sur une mauvaise prestation, va tout faire pour effacer cette déconvenue. Quelle étonnante saison pour le jeune Luciano Burti. Il aura à cœur de prouver une fois de plus tout son talent à son écurie. De La Rosa occupe la 15e place. Le dernier Grand Prix est à oublier pour Bernoldi et il devra compter sur un coup de pouce du destin pour lutter avec les meilleurs. Marquez est 17e. Alonso partira en 18e place. Cette année, Verstappen, que l'on surnomme Jos le Boss, a eu l'occasion de prouver qu'il avait vraiment l'étoffe d'un champion. À ses côtés, en 10e ligne, c'est Hedfeld. Giancarlo Fisichella est 21e. Quel talent ce jeune Kimi Raikkonen! Le Finlandais semble né pour la F1 et il espère bien que ce Grand Prix sera dans la lignée de son fantastique début de saison. Et il partira 22e. N'importe quoi, j'ai jamais entendu autant de trucs débiles dans une vidéo quoi. Excellent, excellent. Allez, c'est parti. Bon, mauvais départ en tout cas. Ok, on va essayer de faire gaffe. Oh là là! Ouh, il y a une Ferrari qui est partie à la faute. Allez, on a perdu deux places au départ, mais c'est pas trop grave. On va pouvoir essayer de remonter. Alors c'est ce tour à faire sur ce circuit. C'est mon coéquipier qui est 21e à peine. Ah, ils sont très vite hein, dans le premier virage, la première chicane, le S du Sénat. Giancarlo, reviens sur Pedro de la Rosa. Frenzen, reste sur sa position.
En tout cas, je suis en position de marquer des points, c'est déjà bien. Et je crois que j'ai cassé légèrement quelque chose. Ah, il me demande de rester au stand, j'ai quand même resté en piste, tant pis. On va voir si c'est pesable de continuer même sans arrêt. Je vois pas de fumée. Mais je pense que ouais, il y a un pilote que j'ai dû envoyer au stand. En tout cas, il y a une Prost qui est dans les points, j'ai l'impression. En 6ème place. Ah, c'est Frenzen, 6ème. Bon, évidemment, c'est pas réaliste parce que Frenzen était encore chez Jordan, mais. Ah, ça devient compliqué là quand même. Je sens que la voiture a un petit peu quand même du mal. Elle est pas très efficace par rapport aux deux premiers tours. Avec aspiration, ouais, c'est bon. Olivier Panis reste sur sa position. En fait, j'ai pas d'appui. C'est ça le problème, j'ai l'impression d'avoir perdu un petit peu d'appui sur l'avant. J'ai vraiment perdu de du grip. On a fait 5 tours, on est au 5ème tour. Giancarlo revient sur Pedro de la Rosa. Alors je sais pas si le tir va tenir jusqu'au bout comme ça, hein, mais bon. J'essaie de prendre la terre au maximum. Enrique Bernaldi revient sur Giancarlo. Bravo, tu as réalisé ton meilleur tour. Très bon tour, ne change rien. Allez, j'ai fait mon meilleur tour, mais ça n'empêche pas de galérer. Hein. Reste sur sa position.
J'ai commencé à créer un léger bouchon. Il me semble que Fisichella avait marqué des points d'ailleurs pour la Pennington sur cette course là en vrai. Oh la pression derrière là. Dans tous les cas, je m'arrêterai au stand, je pense que je serai vraiment en galère parce que pour dépasser, c'est pas évident ici. J'ai pris le S un peu mieux que tout à l'heure. Ils ont du mal quand même pour essayer de me dépasser. Alors qu'ils sont bien plus rapides que moi. Giancarlo est en train de se faire remonter par Marquez. Montoya reste sur sa position. Voilà, je fais tout pour augmenter mon rythme, là c'est compliqué. C'est compliqué, hein. On va y arriver. Alors je commence à avoir un peu plus de rythme là, je commence à m'habituer à la voiture. Du coup, j'arrive légèrement à revenir sur la Prost. C'est assez léger. Ça, j'en doute pas. Elle est en train de revenir légèrement hein, sur la Prost. Je pense que j'ai perdu un bon 20% d'appui, hein, vraiment. Hein, par rapport à ce que j'avais au tout début. Après c'est ma faute hein, je me suis accroché avec Coulthard. Ah bah j'aimerais bien, c'est le point de la 6ème place. Oh je vais avoir l'aspiration.
Ouais, non, là je m'y attendais, ça va être compliqué. De toute façon, on ne peut pas faire de grosses bêtises, hein. C'est pas le moment. Du rythme là, ouais, ça peut le faire, ça peut le faire. Faut juste être calme et trouver la bonne ouverture. Ah, j'ai raté l'extérieur. J'ai un boss. C'est pas loupé Montoya là, légèrement. Ah, je donne tout ce que j'ai là, mais c'est compliqué vraiment. Prendre inspiration. Ah, le plus compliqué, c'est le deuxième secteur. Ah, j'ai rien osé là, vraiment rien du tout. Secteur plutôt bien négocié. Allez Frenzen, on va essayer de t'avoir. Même si je vais retirer peut-être un point à Prost. Frenzen, je te déteste. Montoya est juste à côté de toi, attention. Montoya est en train de revenir sur toi. En fait, c'est une belle bataille, ça fait plaisir. Il va rester plus que 3 tours. Ah, c'est bon, j'ai la vitesse. Ouais, c'est bon, on est sixième. À nous de faire de bêtises maintenant. Bon, le temps est très loin, 5 secondes. Ah, du coup, je demande si c'est pas Kinen que j'ai sorti. Au moins, Coulthard soit juste remis en place comme il faut et pas perdre trop de temps.
Le dernier secteur, c'est quand même une catastrophe au niveau du rythme. Ouais, pourtant, fait quand même rameuter par la Prost. Hein. S'est fait toucher par la prod. Bon, ça m'étonne pas hein, parce que je suis un peu revenu vite. Oh, ça craint. Je suis désolé Frenzen là, mais c'est ma faute. Qu'il y a derrière. Allez, il me reste plus qu'un tour à tenir, faut pas craquer maintenant. Elle talonne, hein. Vraiment, vraiment fort la Benetton en plus. Montoya, tu m'auras pas maintenant. Non, tu m'auras pas maintenant là. Ouh, ça fait être un drame. Oh, oh. Et pourtant, il y a le rond avant. Ouh. C'était sportif. Alors, Schumacher devant, j'ai pas eu le temps, j'ai vu qu'elle était 3ème. Montoya donc 7, Frenzen 13ème, ouais bon, désolé pour Frenzen. Mickey Schumacher 19ème, hein. Alonso 22ème, Raikkonen. Alors, Ralph, Häkkinen, Alesi, Barrichello, Coulthard, Button. Donc finalement, bah j'ai pas trop impacté les McLaren. Magnifique Grand Prix du Brésil qui vient de s'achever. Häkkinen conforte sa première place dans ce championnat du monde. Ralph Schumacher est deuxième devant David Coulthard. Et nous on est quatrième, Barrichello 5, Spanis 6, Trulli 7, Alesi 8, Michael Schumacher 9ème à peine, ouais, ça c'est pas réaliste. Et Montoya qui d'ailleurs avait abandonné en se faisant planter par Verstappen, mais qui prenait un tour derrière ce Grand Prix là dans la vraie vie. Après avoir fait malheureusement, vous avez fait un super dépassement sur Schumacher en 2001. Williams est deuxième, alors qu'en troisième position on trouve Benetton. Bon, être au troisième au championnat, ça va être compliqué à tenir comme ce rang, mais bon, pourquoi pas. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Donc du coup, on va voir un petit peu le bilan de la saison, comme vous l'avez vu, un peu plus tranquillement. Donc c'est Häkkinen hein, qui est en tête du championnat, Schumacher, Coulthard, Button. On est quand même pas beaucoup... on est à peine en 5 points d'écart, les 4 premiers. Et au classement constructeur, bah on l'a vu un petit peu juste après, c'est McLaren hein, qui domine 28 points, Williams est 2ème, Benetton 3ème, Jordan Ferrari 9ème, Execo, Bar 6 et Sauber, Arrows, Minardi et Prost n'ont pas de points. Prost a failli marquer un point, hein, si j'avais pas marqué des points moins. Donc c'est quand même correct. D'ailleurs Prost avait marqué des points hein, il me semble au Brésil en plus avec Alesi. Donc vous avez fait un bon résultat. Bon bah écoutez, on va se laisser là-dessus. On se retrouve pour la prochaine manche. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.